Je suis actuellement en Floride. J'ai terminé ma saison d'Alaska il y a déjà quelques semaines. Là, on est début novembre. Et normalement, je devrais déjà être sur Navarino. Le problème, c'est que, vous vous en doutez un petit peu, avec le Covid partout dans le monde, les voyages, c'est pas si facile que ça. Donc, pour l'instant, je peux pas aller sur Navarino. Donc, je suis en transit et je passe quelques semaines en Floride. Bon, il y a pire, hein, quand même. Surtout qu'ici, il n'y a pas de confinement. C'est pas comme pour vous en France où vous êtes confiné. Ici, il n'y a pas de quarantaine, il n'y a pas de confinement. Les gens sortent, mettent les masques, mettent pas les masques. Bon. C'est un peu mieux ça, les gens mettent un peu plus les masques. Mais pas complètement libre non plus comme je le serais sur l'île, sur Navarino. Et évidemment, ça manque, bien sûr. Donc pourquoi pour l'instant je ne suis pas sur Navarino? Tout simplement parce que les frontières du Chili, elles sont fermées aux étrangers, donc aux non-résidents chiliens. Il y aura peut-être une possibilité d'ouverture début décembre. Et a priori, ça fait déjà une quinzaine de jours où le gouvernement chilien arrive à donner des passe-droits pour certains non-résidents qui voudraient rentrer quand même au Chili. Bon, donc j'ai commencé à faire des démarches un peu auprès du gouvernement chilien pour essayer d'avoir un laissez-passer pour aller là-bas. Les choses s'améliorent un tout petit peu parce que, bon, de toute façon, j'y vais en avion, donc j'atterris à Santiago et jusqu'à il y a encore 15 jours, il fallait obligatoirement faire une quarantaine dans le lieu d'arrivée au Chili. Maintenant, à partir du moment où vous arrivez avec un test négatif, vous n'êtes pas obligé de faire la quarantaine au point d'entrée au Chili. Donc c'est déjà une bonne chose qui me permettrait de prendre donc mon avion de Santiago jusqu'à Punta Arenas, donc tout au sud du continent chilien. Et ensuite là-bas à Punta Arenas, donc à condition bien sûr que je puisse rentrer dans le pays. Donc là-bas à Punta Arenas, j'aurai une quarantaine à faire de 2 semaines avant d'arriver, d'essayer de rejoindre l'île de Navarino. Donc pas si simple que ça, mais bon, la solution pour moi, y a deux choix en fait qui sont possibles. Soit j'arrive à aller au Chili, soit il va falloir que je rentre en France. Vous qui me regardez, vous connaissez un peu mieux la situation en France que moi, du fait que vous êtes confiné, etc., etc. J'ai découvert aussi, parce que je ne suis pas les actualités internationales, etc., je ne suis pas tout ça, moi, et j'ai découvert en cherchant un petit peu. Donc, c'est un Américain qui m'a dit, ouais, il y a eu des attentats en France, etc. Donc, j'ai cherché un petit peu ça. C'est vrai que le climat politique en France, à ce niveau-là, c'est pas peut-être génial, génial. Et le problème, c'est que si je vais en France avec ma gueule d'islamiste que j'ai et avec mes couteaux, il y a des probabilités que je me retrouve au centre antiterroriste assez rapidement. Surtout en brisant un couvre-feu ou truc comme ça, en essayant d'aller voir un petit peu les potes ou de sortir un petit peu en nature. Donc c'est pas vraiment l'idéal, c'est pas quelque chose qui m'enchante vraiment à ce niveau-là. Mais pour l'instant, j'ai pas la possibilité d'aller au Chili. Donc voilà. Donc je suis là, il faut bien que je m'occupe un petit peu. Donc là derrière moi, il y a un gros chêne. Donc j'ai commencé à élaguer un petit peu tout ça, je bricole un petit peu la pelouse. Et là, je vais en profiter donc d'avoir pas mal de branches tout autour. J'ai un petit peu de test à faire. J'ai quelques nouveaux couteaux. Donc il faut que j'arrête de procrastiner.
et que je me mette un peu au boulot. Donc allez-y dans vos commentaires, n'hésitez pas à me pousser, à me traiter de feignant, procrastineur, etc. Parce que en ce moment c'est quand même assez vrai. Bon, faut dire que les bières IPA, elles sont pas pour rien non plus, quoi. Je veux dire, c'est tellement agréable de se coller dans la chaise et puis de se taper une IPA bien fraîche. Ici c'est l'automne, mais enfin c'est l'automne avec 30 et quelques degrés quand même. Donc ça le fait, quoi. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo un petit peu rapide. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!